Alors, je vais vous lire le poème. Suivez avec moi. On va commencer par le titre. Mon petit lapin. Mon petit lapin. Mon petit lapin n'a plus de chagrin. Depuis le matin, il fait de grands sauts au fond du jardin. Mon petit lapin n'a plus de chagrin. Il parle aux oiseaux et il rit tout haut dans la chaise le thym. Mon petit lapin n'a plus de chagrin. Le voisin d'en face a vendu ses chiens, ses trois chiens de chasse. Alors les enfants, essayez d'écouter le poème plusieurs fois. Maintenant, regardez les enfants. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image? On a un lapin, des oiseaux, une coccinelle, une coccinelle. Et on a aussi des plantes, des plantes. On a l'ache, le thym, etc. Alors l'ache et le thym, ce sont des plantes. Alors, les animaux se trouvent dans un jardin, dans un jardin. Et regardez le petit lapin. Elle est heureux ou bien triste? Elle est heureux. Elle est heureux. Elle n'a plus de chagrin. Non. Elle est toujours heureux ou bien content. Maintenant, on va revenir à notre poème. Regardez. Alors, regardez les enfants, combien a-t-il de strophes? Combien on a de strophes dans ce poème? Alors, cette partie s'appelle une strophe. Combien y a-t-il de strophes dans ce poème? Il y a trois strophes. Dans ce poème, il y a trois strophes. Maintenant, combien y a-t-il de vers dans ce poème? Combien on a de vers dans ce poème? Alors, ça s'appelle un vers. Mon petit lapin, c'est un vers. N'a plus de chagrin, c'est un vers. Un vers. Alors, comptez combien y a-t-il de vers dans ce poème? Il y a 15 vers. 15 vers. Regardez. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y en a 15 vers dans ce poème. Maintenant, cherchez les rimes qu'on a dans ce poème. Les rimes, regardez la fin des mots. Alors, mon petit lapin, on a quoi? On a un. N'a plus de chagrin, un. Depuis le matin, un. Au fond du jardin, 1. Dans l'ache et le thym, 1. Il fait de grands sauts, oh. Il parle aux oiseaux, oh. Et il rit tout haut, oh. Et finalement, on a S. Le voisin d'en face a vendu ses chiens, ses trois chiens de chasse. Alors, on a trois rimes dans ce poème. On a un, 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 un. On a aussi O, O, O. Et on a S, S. Et voilà les enfants. Maintenant, cherchez les vers qui se répètent dans ce poème. Cherchez le refrain. C'est-à-dire les vers qui se répètent dans ce poème. La partie qui se répète. On a mon petit lapin n'a plus de chagrin. Mon petit lapin n'a plus de chagrin. Mon petit lapin n'a plus de chagrin. Ça s'appelle le refrain, c'est-à-dire la partie qui se répète dans ce poème.